joueurs de Nevers fêtent avec le public cette victoire arrachée à Grenoble. Et dès le début du match, Jérôme, on a compris que Nevers était venu aujourd'hui affronter Grenoble avec des intentions conquérantes. Ouais, des intentions conquérantes, et ça passe par la touche, ça passe par le ballon porté. Le premier essai marqué par Elliott après une magnifique prise de balle de Bradshaw qui a été impérial dans l'alignement de bout en bout de ce match. Les joueurs de Nevers qui mènent 5 à 0, ce n'est pas transformé par Henry. Henry, Gaëtan Germain, pardon, va marquer les 3 premiers points de Grenoble dans cette partie. Et derrière, il va y avoir un carton jaune pour une succession de fautes contre Steve Blanc-Mapaz. Et cette équipe de Nevers va en profiter grâce à un filou, Joris Cazenave. Ouais, faute à répétition dans les 22 mètres. Et Joris Cazenave qui va profiter de l'inattention de la part de ces Grenoblois pour marquer ce deuxième essai et valider encore cette domination de l'équipe de Nevers. C'est cette fois-ci transformé par Zach Henry, ça fait 12 à 3. Zach Henry qui va en profiter pour mettre 2 pénalités consécutives. La première période de cette équipe de Nevers a été impressionnante. Ouais, impressionnante, il jouait avec le vent, de l'occupation, de la pression, ballon récupéré, surtout très dominateur sur le secteur de la touche et de la mêlée. Sur les phases de ruck, on a vu qu'une seule équipe sur ses 40 premières minutes. Zach Henry qui rajoute donc 2 pénalités, ça fait 18 à 3 à la fin de la première mi-temps, 18-6 après une pénalité de Germain en début de seconde période. Et il va y avoir petit à petit la réaction de Grenoble dans ce match parce que le banc va faire des différences. Et sur cette action, c'est Razo Léa qui va aller à la conclusion. Ouais, on voit un petit peu plus de dynamisme, hein, l'apport de certains garçons comme Taofa, Calon Razo Léa qui viennent breaker cette défense. Impossible à Joris Cazenave de pouvoir défendre sur le centre australien. Et on voit encore une fois Taofa qui vient breaker cette défense et remettre encore ce dynamisme qui fera la différence et qui permettra à cette équipe de Grenoble de marquer un deuxième essai. Ils vont mettre la pression, les Grenoblois, jusqu'au bout avec, à la conclusion de cette action, Dupont qui va aplatir. En tout cas, c'est accordé par le corps arbitral en bout de ligne. Il y aura 24-18, mais Gaëtan Germain ne va pas réussir la transformation. On va en rester à 24-18. Et puis finalement, la dernière pénalité après une énième mêlée enfoncée par Nevers va être réussie par Zach Henry. La victoire de Nevers, 27-18, qui fait énormément de bien aux joueurs de Xavier Féméja, qui s'installe dans le top 6 et qui compte bien y rester jusqu'au bout.